Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer sur Skyrim, sur un joli décor de menu principal que j'ai modifié parce que j'ai essayé de mettre celui avec des flammes partout et marche pas des masses, alors j'ai chopé celui-là. La musique de Sovngarde, toujours sympa. C'est bon, dommage que le dragon il vole pas comme ça dans les airs, ça aurait été joli, c'est un instantané. Mais c'est sympa parce qu'en fait, si vous regardez en bas, vous voyez qu'il y a encore la brume qui passe. Et qu'elle se mêle un petit peu à la brume du screenshot, et du coup, ça donne un petit peu vie à tout ça. Alors, pourquoi est-ce que je reviens sur Skyrim? Eh bien, parce que je suis tombé sur une quête qui m'a un peu fait rigoler. Je sais pas ce qu'il y a derrière, je sais pas ce que ça cache, mais la façon dont la quête est annoncée, ça m'a semblé tellement obvious que voilà, je me suis dit, tiens, je vais filmer ça, et puis je vais aller voir de quoi il retourne. En piste. Me voilà au phare d'Ivronde avec deux amis que vous ne connaissez pas encore. Kaldair ici présent, hein, un petit beau gosse nordique avec des favoris, habillé en lame bien évidemment. Et la petite Lydia, que vous connaissez déjà plus certainement, elle aussi habillée en lame. Avec une petite épée que je lui ai forgée, une lame ancienne, c'est comment on dit, Akaviri, je sais plus du tout. Comment s'appelle cette connerie? Que puis-je faire pour vous, Tan? Akaviri, voilà, elle est là, une épée Akaviri que j'ai franchement bien préparée, bien améliorée, bien enchantée, donc elle devrait faire bien mal. Et alors que je passais devant ce sympathique phare qui a l'air sympathiquement abandonné et où il y a eu un sympathique combat, je suis rentré dedans et là j'ai eu la quête la plus enfin voilà, pour l'instant j'ai pas encore croisé de trucs plus évidents que ça. Et je rentre dans le phare, oh mon dieu, on voit qu'il y a eu du carnage. Je m'avance et trouver l'origine des meurtres. Parce que oui, meurtre il y a eu. Hein. Soyons honnêtes, cette dame-là n'est plus très en forme. Et elle est un petit peu en slip. Attention, attention, on va chercher l'origine des meurtres. Un indice sur votre écran. Hein, un Chorus. Eh ben voilà, j'ai trouvé l'origine des meurtres. Des Falmers sont remontés des profondeurs. Fin de la quête, filez-moi l'XP, merci beaucoup. Voilà, c'était juste pour ça, vous voyez, comme quoi je peux avoir du fun de pas grand chose, hein. Mais je trouvais l'intitulé de la quête un petit peu couillon, quoi. Trouver l'origine des meurtres, laisse-moi réfléchir deux secondes, il y a un énorme monstre mort au milieu du plancher, bon bah ça doit être ça. Je suppose que l'idée c'est de remonter, et bien sûr qu'on va gentiment remonter. On va enquêter pour savoir d'où vient ce Chorus et qui l'a envoyé là, est-ce qu'il y en a d'autres, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'elle dit dans son journal, la meuf? Alors, après avoir voyagé depuis Hammerfell à Solstheim, voilà. J'ai eu assez d'argent pour acheter ce vieux phare sur la côte. Ce qui est plutôt intéressant, sauf que c'est un petit peu en guerre, donc c'est un petit peu moyen d'acheter un vieux phare pourri. Ok, après c'est sa vie, on s'en fout. Sudi a entendu, je ne sais pas qui est Sudi, hein. Sudi a entendu un bruit qui venait d'en bas, mais Mani pense que... sa mère est en train de péter un câble du fait d'être isolée. Sudi continue à entendre des bruits de grattement en provenance de la cave pendant la nuit. Oh mon dieu, pourquoi? Je suis retourné à la maison pour trouver ma magnifique Ramati morte. Et cette horrible créature ressemblant à un insecte en train de défoncer notre maison. J'ai réussi à la tuer. Ça pourrait être un des draps. Non, c'est pas un des draps.
Je dois aller dans la cave, je suppose, pour voir ce qu'il y a. Je vais fermer la porte derrière moi pour être sûr que la chose ne s'échappe pas. Quel courage, mon ami, quel courage, pauvre Ramati. Et pauvre Chorus. Pauvre, pauvre Chorus, qui n'avait rien demandé à personne, il avait juste faim, si ça se trouve. Continuons notre exploration. Du sang partout. Le journal de Sudi, où je suppose que grosso modo, voilà, hein, elle nous raconte vaguement la même chose que l'autre journal. Quelque chose à voler dans le coin? Non, pas des masses. Et ici, des vêtements de la Tunes. Un bouquin, Trial of Saint Alessia. Ok. Rien de particulier, aucune fringue particulière. Des potions, c'est toujours ça de prix. Des vêtements à la con, on s'en fout. Le journal de Ramati. Qui nous dit à peu près la même chose que les deux autres journaux. Des bouquins dont on se fout. Des bouquins dont on se fout. Bien, au moins ça c'est vite visité. On sait donc fatalement que tout se passe ici ou là. Ici, porte en bois expert. Ici, porte de la cave maître. Ouais. Je suis pas le roi du lockpicking. Oh, j'ai du bol. J'ai du bol. Je sais que c'est dans ce coin-là. Oh, 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 j'ai du bol. Yes! Bon, alors, par contre, hein, on sait que c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Oui, phrase de vieux. On va activer... Ah bah oui, on va préparer ce piège à ours. Sait-on jamais. Voilà, voilà, les followers sont des cons. Vraiment des cons. Il y a du sang. Il y a du sang partout par terre. Bon, si le gars il a réussi à tuer un Chorus en haut, il en a peut-être tué un en bas, hein. Surtout qu'il n'y a pas de corps. Ah, nous sommes tous d'accord que il y a un gros Chorus. Ok. Et on va partir du principe que, bon, bah, si les Chorus sont en vie, c'est que notre ami qui est descendu à la cave s'est fait défoncer l'anus. Dans cette cave, il n'y a pas de corps. C'est peut-être le truc le plus curieux. Il y a des trucs complètement verrouillés. Moi, je sais pas vous, chez vous, mais moi, je m'amuse pas à verrouiller tout et rien. Surtout ça, honnêtement, des bottes à la con. Et il y a un gros trou. Il y a un gros trou enduit de... Alors, soit en fait il est enduit de schblurb, soit c'est un truc qui avait été rebouché à la va-vite et ce qu'on voit c'est du ciment et des cailloux. Et parce que derrière, il y avait une énorme grotte. Donc j'en déduis qu'il avait dû être bouché, le truc. Temporairement. Mal bouché, en tout cas. Je fais ma petite sauvegarde rapide, parce que j'ai réussi à crocheter la porte rapidement et que ça me ferait chier. Vers l'abysse d'Ivronde. Ah ouais, carrément, téléporte.
Eh ben allons-y. Hop, oh, désolé, c'était l'autre bouton. Whiz. Pas de bruit, pas de mouvement. La lumière n'a donc excité personne. Directement des constructions Falmer. Ça plante le décor. Aucune patrouille. Je suis détecté par ce magnifique Echorus qui m'a empoisonné. Vite, 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 on se relève. Non, merde, c'est pas toi qui fais les frapper. Il faut frapper à l'intérieur. Putain. Vilaine créature. Ah, et bâton d'éclair foudroyant. Excuse-moi, Calder, pour cet énorme coup d'épée dans ta face. Voilà, c'était sous l'effet de la panique. J'ai vu quelqu'un debout. Je me suis dit, vite, défonçons-le. Et c'était toi. Heureusement, tu n'es diablement pas rancunier. Continuons cette exploration. Ça monte ici ou ça monte pas? Non, ça monte pas. J'ai aussi installé un mode qui génère des donjons aléatoires. Je sais pas ce que ça vaut. Toi par contre, je sais ce que tu vas prendre dans le cul. Zouz. Touché. Et voilà, Chorus qui m'a encore empoisonné. Je crois que c'est le renversement qui est géré comme ça. C'est le fait que je suis renversé par terre, ça fait une espèce de kill cam. Je vous avoue que ça m'a fait paniquer la première fois que je l'ai vu. Hein. Je me suis dit, putain, le mec il m'a buté en un coup comme ça, sorti de rien. Et en fait, non, on n'est pas mort, on est juste, on va dire, coincé par terre, quoi. Rien ici, un sympathique fil qui déclenche un piège là. Continuons notre exploration. Ah, j'aime pas les givres pires. Je n'aime vraiment pas les givres pires. Mais j'aime bien les arcs. Il y en a encore une. Il y en a... Ah, si, il y a quelque chose là. Raté. Il fait noir. Il fait des noirs. Pardon Lydia, mais arrête de passer devant moi quand je tape. Oui, alors, je vais être très honnête avec vous. Franchement, quand ils me passent devant, ben, je les défonce comme s'ils n'étaient pas là. Rien à foutre. Je vais pas en plus gérer leur idiotie. Ça leur apprendra. Rien de plus, rien de plus. Ça doit être très isolant en fait comme matière, la toile d'araignée. Il s'est caché au dernier moment. Reviens mon petit. Touché. 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 Ouais, ils sont trop forts à l'arc les suivants, c'est hallucinant.
que de la merde sur toi comme d'hab. Honnête Falmer Sword. Hornet, je sais ce que c'est. Honnête, je ne sais pas ce que c'est. Il y a encore un truc vivant qui doit être en hauteur. C'est du chorus, on dirait. Ah, bah c'est Sudi. On a trouvé Sudi, dis donc. Viens là, viens là. Petit, 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 petit. La pauvre. C'est-à-dire que la meuf... La meuf, elle est quand même descendue. Avec une petite dague pour combattre tout ça. Une bloodstain note. Oh là là. Ouais, bah alors, moi qui n'arrive pas à voir le rouge, écrire en noir sur fond rouge. Ah non, celui-ci, c'est la mer. C'est la mer. C'est triste. Papa est venu, les créatures l'ont capturé. Ah, il faut qu'on trouve papa. C'est triste. Mais du tout triste. Hein, Sudi. Ah, je vais faire quelque chose que je fais pas souvent. Mais cette histoire de la pauvre Sudi me rend très triste. Voilà, je lui fais une petite tombe. Alors, normalement, elle aurait dû disparaître. Mais hein, voilà. Là, elle disparaît pas parce que fraise. Ah, les mods. Donc, le chorus, c'est fait. Cette petite cave douillette de Falmer. C'est fait, oui, c'est fait. Ouais, c'est bloqué tout ça. On va checker qu'il n'y ait pas d'araignée au plafond quand même. C'est bien le diable s'il n'y a pas des Falmer dans ces maisons. Eh ben, c'est bien le diable. Ceci dit, c'est peut-être celui qu'on a dessoudé de mégaloin. Alors oui, il faut le savoir, les Falmer mettent des petites serrures sur leur coffre organique qu'on peut crocheter. C'est trop mignon. Et ça n'a bien évidemment aucun sens, et dans lequel ils mettent une pièce d'or. Donc, ça vaut même pas le prix de la serrure qu'ils ont mis dessus. On va récupérer nos flèches et cette petite améthyste. D'accord, là on est tout en haut. Une potion de vigueur, une Falmer Warax. On s'en fout. Ah bah écoute. Oui, t'as hâte de me pousser, Lydia, t'es gentil. Hein. Sale bestiole. C'est-à-dire que là, en fait, ils vont me forcer à sauter, c'est ça? Ouais, ils vont me forcer à sauter. J'aime pas sauter. Je vais être obligé de téléporter mes compagnons à moi. Si ça dérange personne. Et de 1. Et de 2. Ouais. Si un jour il y a un mec qui arrive à inventer un mode où les compagnons savent sauter. Pour de vrai, je veux dire. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ah si, je vais récupérer la flèche d'humeur. C'est pas gratuit les flèches d'humeur. Mmh.
Et du churus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que je peux tirer sur ceci? Oui, je peux! C'est magnifique. Ah, un tir un peu bidon. Ça, je l'aurais pas. Et arrêtez de me pousser, bande de cons. Regardez-moi ces branques. Et voilà, ils m'ont poussé dans le truc. Il revient l'autre. Il revient. Voilà. Bon, allez. Bâtard. Bâtard. Les vrais nordiques ne reculent jamais. Allez. Sale chorus. Vous allez pas. Ah, leur poison, c'est vraiment les cibles à abattre en priorité quand il y a beaucoup de monde, parce que un coup de poison dans la gueule et on se fait gentiment paralyser pendant quelques secondes de trop. Et on meurt comme une grosse merde. Je vais juste récupérer mes flèches. Il y a du chorus. Il y a toujours du chorus. Grande salle. Une grande salle pleine de sacs à œufs et même pas 40 milliards de chorus en train de pondre. C'est un chorus là en face. Si là. Une grosse merde là. Ah flûte. Ouh, ça les énerve là. Il y a des variétés différentes, il y a des chorus scellés. Me jetez pas, bande de cons. Il me pousse. Il me pousse. Mais arrêtez de me pousser. Bande de deux débiles. Mais vous êtes vraiment des tanches quoi! Ils m'ont mis tout au bord! Bande de débiles! Ça se tranche ça? Oh. Ça se tranche, mais c'est hyper moche! Y'a pas à dire, hein, le monde souterrain c'est quand même bien crade.
Plus, je sais pas si ça vous le fait, mais on dirait des cocons où mettre des êtres humains. Pardon. On met des êtres humains, vous voyez, pour que les petits œufs après se nourrissent. Regardez-moi les glandules là-haut. Elle ne peut pas venir, c'est beaucoup trop haut. Bande de blaireaux. Oh oh. Tu m'as pas encore vu, toi. Oui, bon, ok. C'est pas un arc. Ça, c'est un arc. T'as l'air bien gros, toi. Ah bah c'était ça, ok. L'origine des meurtres, c'était un faucheur. Et je le sais parce que je le sais. Bonjour. Bonjour, j'ai paralysé des bois. C'est n'importe quoi. Rendez-moi ma vie. Ouais, la charge contre les chevaux russes, c'est pas évident. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce faucheur? La clé du phare et les restes de d'Abd. Ah, c'est moche, on prend. Ça fera très joli en déco. Il s'est fait bouffer. Et c'est maintenant que j'aurais dû avoir la quête terminée. Ça aurait été un peu plus logique. Lui, il avait de la thune sur lui. Et lui, non. Il y avait un riche et un pauvre. Donc voilà où tout ça nous menait, ici. Où il y a plein d'œufs partout, c'est trop mignon. Tout ça va éclore et fera de l'XP. Et on suppose qu'il y a une gentille petite sortie qu'on n'aurait jamais imaginée avant. Et on va partir du principe que, comme le boss est mort, et ben, il n'y a plus de monstres. Pour ça, hein, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. À part peut-être un Falmer ici, non, même pas, non. Même pas. Collier de parade. Oh, pas mal ça, pour moi qui essaye de bloquer. Masse de fer pieuse, à mon avis, je m'en fous. De la thune, en veux-tu, en voilà. En fait, c'est ici, c'était la banque des Falmer du coin. On fait une petite sauvegarde, des fois que le TP nous plante joyeusement. Non? Ah ben non, il y a... Ah ben si, bon, c'est... je sais pas, je saute. Ah, mais c'est le coin où je me disais ça monte pas. Ok. Ces grottes sont bien faites quand même. Hein. Toujours en moyenne sortie, c'est fabuleux, on n'est jamais coincé. Alors, j'ai les restes de Ab. Ou Abd, je sais pas comment qu'on dit. Je les enterre, il y a un truc. Une petite fin sympa avec des petits bouts de roleplay dedans. Je peux faire un rituel nécromantique pour le ramener à la vie. Salut, nous, on court comme des tarés. Parce qu'on n'arrive pas à trouver le sol. Ah là 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 là, les amis. Eh oui, pas besoin de crocheter grâce à la clé. On va juste hein, on va juste se méfier. Ah, Seb joue à Spiral Knight, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a rien de plus, c'est tout. Bon. Un petit peu de lumière, quoique. Les nuits nordiques, niveau visibilité, faut digérer. Oh, oh, oh mon dieu. Et voilà, le mec il est parti affronter les Falmer, mais il a laissé ses gantelets super géniaux en haut dans un coffre. Ah, comme ça, il est bien mort et ça a fait une belle histoire. Bonjour, je voudrais de la crédibilité. Ah, désolé, nous n'en avons plus. Et on active le brasier du phare pour... Ah, on fait brûler!
On fait brûler les restes de Ab alors que c'était marqué nulle part. Et on a gagné, je sais pas quoi. Sailor's Rest, c'était ça l'idée? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Seren non plus. Silver, c'était quoi? C'est un crâne qui sourit parce qu'il est reposé. Sailor's Rest. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai gagné. Donc on va vite à la lettre S. Et ben je sais pas. Prout, je ne sais pas ce qu'on a gagné, je ne sais pas où c'est. Et je vais juste apprendre ça, qu'apparemment je savais déjà. Comme un beau paquet de merde. Oh, une scie. Une scie, on s'en fout. On s'en fout. En même temps, vous me direz, je pourrais faire montrer plus tard, hein, et vous n'auriez pas nécessairement tort. Bon, ben voilà, vous voyez, par le truchement de 1 plus 1 égale 2 et de 1 plus B égale C, on a terminé la quête bien comme il fallait, en brûlant les restes du gars qui avait acheté le phare. Ah ben voilà les cadavres, hein. Ça fera une petite vidéo courte, donc elle mettra pas 48 heures à s'uploader en 1080p. En attendant, d'autres aventures trépidantes remplies de Falmer et de Chorus, enfin surtout de Chorus en l'occurrence, et de cadavres de femmes nues, je dirais certainement abusées sexuellement par des Chorus en rut. Qu'est-ce qu'elle foutait, franchement, qu'est-ce qu'elle foutait à poil dans son phare? Ah, elle venait peut-être de se lever. Elle était en train de pioncer en bikini dans son phare et elle se lève et oh, il y a des Chorus partout et elle se fait manger. Enfin, pas trop, puisqu'elle a pas grand-chose, mais... Eh, ça aussi, c'est un truc qui manque, en fait. Des cadavres un petit peu abîmés, quand ils sont morts. Elle est un peu trop intacte, elle est un peu trop Miss Monde, en fait, Ramati. En attendant donc une suite trépidante, bon jeu à vous, les cadavres, ciao !